Bonjour et bienvenue sur Comme d'habitude Gaming en compagnie de Dr. Funk pour un nouvel épisode de Bomber Crew. Je sais que vous êtes trop fan. Et même si vous l'êtes pas, c'est pas grave. Nous préparons donc un grand raid sur un barrage hydroélectrique. C'est votre chance de vous familiariser avec ce nouveau type de bombe avant le grand jour. Donc série de tests de la bombe rebondissante. C'est une mission facile, mais c'est une mission d'histoire. Donc c'est parti. Je la prends parce qu'il y avait un panneau rouge dessus, donc normalement c'est une mission d'histoire. C'est parti. Vous êtes parti. Mais bon, je pense qu'à un moment donné, ça devrait mal tourner. Je partirai pour le retard des autres. Voilà, on passe en moyenne altitude et tout maintenant. Ah, maintenant on est quelqu'un qui vole au milieu. Surtout qu'on voit, on vient de changer de moteur donc on est plus performant quelque part. Faut toujours que je fasse un peu attention au carburant, mais carburant ça a l'air de tenir avec les compétences de Fraser quand il bosse quoi. Quand elle bosse, je ne sais rien. Quand ils décident tous de bosser autant qu'ils sont. Ah oui, j'ai pas les contourner parce que le mec il voit mal le sol. Donc du coup j'ai une balle, elle est pas nette, tout ça, tout ça. Ah, basse altitude. Curieux. Basse altitude. Voilà. Fais-moi une plongée, ça on descendra encore plus vite, voilà. Pas de problème. Ouais, belle choupette. Ah, wow. Okay. Ah c'est genre c'est comme ça quoi, il n'y a pas de... on ouvre... Il va où? Eh mec, on va là-bas. Mec, mec. Eh mec, tu t'es planté de direction mec. Hein? Ah t'as fait tout ça comme tour, juste pour faire tout ça comme tour? D'accord. Non mais ok, hein, fais-nous une reconnaissance radio pendant qu'on fait les tests, hein, mec. Hein, si vraiment tu le vis comme ça, nous on va prendre notre temps, c'est le petit test. Économie de carburant, c'est le chef qui l'a dit. Opéré. Donc c'est une bombe rebondissante à première vue, ça fait... Ah oui c'est vraiment, ils ont planté un barrage au milieu de nulle part, ok, on le prend bien en face quoi. Okay. Opportunité de reconnaissance, ah! Le mec a trouvé quelque chose intéressant. Mais c'était très nul leur truc, j'ai pas compris. D'accord. Ok. Repérer des Spitfire. Ah ok, on a perdu des potes, très bien. On va remonter en hauteur. Fraser, comment ça se passe? Ça va. On a un coup d'œil acheté à la map, à première vue on avait localisé quelque chose. Non, en fait on s'est foutu de ma gueule. Parfait! J'ai pas du tout l'habitude que ça m'arrive, non. 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 Salaud. Ah oui, t'as 1200 cartouches quand même. Ça c'est pas mal. Ah, aïe aïe. Rockstaff, mon petit pote. Ah, ils sont trop bas. Ok, s'il te plaît. Concentration un peu. Ah, merci, McKay. Apprécie la qualité de ton travail. Belle concentration. Ouais, je sais pas quel niveau t'es, mais est-ce que tu passes ton level up? Ok, incendiaire s'il te plaît. On fait une petite plongée IEM s'il te plaît. On a quelque chose à éteindre. Qu'est-ce que c'est que ça? Je crois qu'on a perdu. Il y a quelqu'un là-bas. On reste en bas, on reste en bas, on reste en bas. On a des points à gauche à droite là, des charbons.
Marquage auto, s'il te plaît, reconnaissance. Hein. Arrêtez vos conneries 5 secondes. Formidable. Appel, s'il te plaît. Ta place. On va prendre la photo. Elle est parfaite. Va recharger. Belle, s'il te plaît, va te soigner. Ok, on va se concentrer. On reste frais. On est pas mal. En consultant notre carte. Visiblement, la cible est à bombarder maintenant. Nous verrons bien ce qu'on nous dira. Retourner à la base. Ah non, on a fini. Ah bien. Ok. Monte alors. Pas besoin de rester à cette hauteur là. On rentre maison. Staff, tu vas au soin. Eh bien, on s'en est très bien sorti. Un petit coup de boost avant que je montre. On se met à reporter. Voilà, on dégage. On n'en parle plus jamais. Ok, mec, je finis ces blessures. Mec, va te soigner. Est-ce que je peux envoyer un cartographe se soigner, s'il vous plaît? Ah non, Mackay y est toujours. Ouais, Mackay vient seulement d'y arriver, quoi. Pourquoi j'ai des objectifs chelous qui apparaissent là? Ah, c'est pour faire demi-tour, ok. Lundi. J'ai rien dit, j'ai rien dit. Ok, rentre chez lui. Gray. Cartman. Ok, on se met en petite économie, on accélère tranquillement, on attend d'avoir une donnée, les maisons là c'est bon. Retour maison. Ah oui, on a carrément survolé l'aéroport et on était vraiment... là-dedans. Ben, penche-toi en économie. T'as le temps de te poser bien droit, Johnson. Et bien voilà. Nous sommes posés, on reste frais, on est bien, il reste encore quelques secondes de carburant, en vrai. Ce qui était largement suffisant, évidemment. Mission réussie. Pas de problème, on prend le cash, l'oseille, la thune, tout ce qui va bien. Tous nos gars sont rentrés, il n'y a pas de problème, pas de soucis, ça passe des niveaux. Très bien, se pencher, ok, tout ça, pas de soucis. Défensif et tout, on continue. Livret 5 personnalisé, ok. Un milliard de conneries quoi. Équipement d'équipage. Là il se peut que j'en ai pour un billet puisque... Ah non, c'est la bouteille d'oxygène. Bah équipe là tout le monde. Ouais non, parce que vu le prix qu'elle coûte, on va les faire manuellement. Parce que Fraser il va rester sur sa grande bouteille. Là, tu passes sur du renforcé.
va gratter le moindre point de blindage. On peut aller chercher. Ok, vous êtes parfait. Allez, on y va. On roule, mes petits poulets. Nouvelle livrée. Le dessin avant, le personnalisé, le 5 évidemment. Autant dire, il n'y a rien quoi. C'est genre le 3, mais en moins. C'est genre le 3, mais en moins bien. Dessin de l'aile 5 personnalisé évidemment, donc on s'en fout. Nouveau moteur. Ah, le MK4 blindé. La limite de poids prendrait une sacrée claque. Mais tellement plus de blindage encore quoi. Après, soyons sérieux, là actuellement, les moteurs ils souffrent pas, il n'y a rien qui souffre. Ce qui pourrait être intéressant, c'est juste attendre les prochaines tourelles tranquillement, sans casser la tirelire. On pourrait améliorer quelques trucs. Quelques trucs. Bah, comme le fuselage d'ailleurs. Comme le fuselage qui est MK2 à beaucoup d'endroits. Ouais, pareil, c'est pas non plus. Je peux avoir un pigeon blindé de ses morts. Ah bah je suis obligé de le prendre. Ah oui. J'étais obligé. Excusez-moi, mais j'étais obligé là. Il y avait un pigeon de ses morts, mon gars. Il était trop bien. Donc là on a du soin. Là il n'y en a pas. Et là non. Donc à l'avant, je vais augmenter la taille du portique. Ah, en même temps, c'est celle qui est juste à côté de la porte. Est-ce que j'y mettrais pas que des sacs de. Que des parachutes par exemple? Ce serait logique, ce serait pas déconnant. À l'arrière, on pourrait partir sur un niveau 2 qu'on installe avec un extincteur au cas où. Vraiment au cas où. Normalement, on devrait pas trop en avoir besoin à cet endroit-là. Là, on a besoin des extincteurs, c'est ici. Parce qu'on est entre deux systèmes. Si, là. Ouais. Ouais, non, il y a le tableau électrique parce que l'hydraulique il pète. Normalement, c'est que de l'eau donc normalement ça devrait pas prendre feu. Donc, ok, bah écoutez, je pense qu'on est pas mal. C'était quoi? C'était une tierce mission? C'était une mission principale? Je ne sais même plus. Je ne sais même plus, tellement on s'est baladé. Chasseur As ennemi. Ah, 5000 boules pour Bruno. Le prochain ce serait Bruno. Ah, Bruno pour le prochain. D'accord. Et c'est où que je sois hein. Et là du coup on serait sur une opération châtiment. Pilote de chasse ennemi dans la zone de mission. Donc le risque est élevé. Durée moyenne. Je pense que ça sert à rien d'aller faire le kikou dans cette zone là en vrai. Je pense que ça serait bien qu'on aille chercher. Même si on ne fait que réduire. Attends, moi qu'on est d'une mission qui nous réduise des trucs à la prochaine. Nombre d'opérations canon flak diminué pour les deux prochaines missions. Ah, c'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal. Néanmoins, si on veut se faire l'as, moi je pense qu'une petite mission elle a cool vite fait. Parce que maintenant on sait que les missions moyennes sont assez cool. On va pas aller chercher le défi pour commencer à se faire buter tout notre équipage. Parce que l'autre il se met à buter tout le monde hein. Quand ça tourne mal. Quand ça tourne mal, il se met à nettoyer tout le monde. Hein. Ok, on accélère. On rentre le train. On se penche. On passe à hauteur moyenne. Et on attend la prochaine destination en regardant sur la carte. Souvent derrière, un capiote ennemi Bruno Brennan est en activité dans la zone. Très bien, formidable. C'est ce qu'on veut, non? Est-ce qu'il nous plaît, non? Merde. Fraser va bosser. Fraser va bosser.
plaisir les enfants, vraiment, j'insiste. On répare. On va ici. Enfin recharge, excusez-moi, c'est pas répare, c'était recharge. On va redescendre en basse altitude. Razer, tu veux bien reprendre ton poste s'il te plaît. On n'a pas le temps de faire ça, on va faire ça et ça. Belle, je veux que tu viennes à ton poste de bombarde. Je veux que tu charges l'unité. On va patienter. Et on va... non, juste ouvrir. On est prêt à larguer. Et c'est lourdé. On ferme les portes. On va prendre la photo ici. Du coup, ouais grave, j'ai besoin de toi là-haut. Remonte. Nice, bien joué. Il est où l'autre con? Il est là le petit tas. J'ai besoin que vous le tassiez surtout. McKay, s'il te plaît, si tu veux bien le... Voilà, c'est ça, vous l'arrosez comme ça, comme il faut là. Histoire de tout de suite le mettre d'accord. Ok, il faut qu'on remonte. On remonte en moyen et on se fait une plongée dès qu'on peut. Ok, on replonge. Est-ce que ça suffit pour éteindre? Ça n'a pas suffi. Merde. Con. Répare-moi ça, vite. Oh, c'est système hydraulique qui a pété. Ouais, il suffit d'une tuile, ou deux et c'est le bordel. Hein. Non, il faut que tu me fasses une petite plongée, vite. Bravo. Reste en bas, reste en bas. Razer. Non, non, attends, je veux pas que tu fasses ça, mec. Je veux pas que tu fasses ça, rentre, mec. Fais pas le con, Razer. Oh, parachute, gros. Laisse tomber le parachute, va faire ça. Mais t'as pris le parachute avec toi. Ok, bah tombe pas con. Fais pas l'idiot. Hein. Merde, je suis passé la touffe. Fais demi-tour. Oh, je suis bête. Ah, t'es toujours en position photo? Parfait. Razer, arrête de glander dehors là. Va bosser. Recharge. On est prêt à prendre la photo. Voilà, c'est fait. Ouf. Il n'y a plus qu'à y retourner. Belle. Tourne à ta place. Razer, c'est bon, tu prends l'air tranquille. Espèce de blaireau. T'es vraiment un con, blaireur. Razer, blaireur. Ok, c'est rechargé tout ça. Parfait. Tu peux pas le ranger là, ça là, Non, tu veux plus? Ah si, c'est bon, il l'a rangé. Bien, bien, t'es un peu moins bordélique qu'avant, ça fait plaisir. Bon, en basse altitude, on est vulnérable, on va remonter un peu. Vas-y, John, fais monter le bousin, quoi. Wouh! Ah bah on commence à bien voir à travers, ça fait plaisir. Disons qu'on voit, les mecs qui se glandent au milieu. Hein, Fraser? Bizarrement, c'est toujours le même qu'on va se glander au milieu. C'est pas possible, ça. Fais péter la reconnaissance radio. McKay, s'il te plaît, j'aurais besoin que t'ailles prendre l'air. Toi, recharge, je sais pas si je t'ai dit de recharger. Recharge. Aucun nouveau site de reconnaissance trouvé. C'est confirmé. Ok, on y va. Ok, on se mouvoie, Combien il nous reste de carburant? 15 minutes. On sort de revenir sur le territoire. On pourra accélérer après tranquillement. Ok, c'est bon. Va te faire soigner là. On va faire une sieste, on va faire un truc comme ça quoi.
Carburant diminue à vue d'œil. Bah non, ça part, ça part, ça part. Il reste 10 secondes, quoi, c'est tout. On peut déjà redescendre hein, de mémoire on est trop. Ça, on va être trop. Oui. Oh le drift, mon gars. Ouais, va te faire soigner aussi. Allez, c'est là pour ça. Allez, grouillez-vous là, on n'a pas besoin de carburant, jette-moi ça par les fenêtres là, ça prend de la place, ça nous alourdit là. Allez. Et c'est la victoire de Canard. Incroyable. C'est bouclé. On a pris notre prime. Bruno Brennen, 5000 boules. 5000 livres. C'est plus. Allez. Oh, j'aime l'argent. Et photo de reconnaissance facultative. Donc là, on s'est gavé en thunes. Ça fait plaisir. Multo pognon, non. Multo pognon. Oui, tout le monde est revenu. C'est magnifique, incroyable. Un pilote niveau 10. On a gagné une vrille plus, le boost plus. Toujours plus, quoi. Et la munition AP. Jean McKay. Il faut toujours un bordel monstrueux. Formidable. Bravo, Jean. Oui, quitte le compte rendu. On s'en tamponne l'arrêt. Sans beurre l'arrêt. Eh bien, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Ça fait un peu de thunes, tout ça, tout ça. Je pense qu'on va peut-être s'arrêter là. On fait quelques petites améliorations. Hein, on se dit qu'on fait ça. Pour le plaisir d'offrir. Pour le plaisir de s'offrir des petites améliorations. Non, parce que pareil, en tourelle, on a toujours pas ce qui nous intéresse. On a toujours pas de bande de munitions là pour la MK3. Du coup, en vrai, ça ne m'intéresse pas trop. Après, est-ce que toi t'es vraiment vénère? Ah, et celle-là par contre. Oui, oui, elle est pas mal quoi. Ouais, ouais, ouais. Celle-là en vrai, elle est pas mal du tout. Et puis elle est pas lourde, c'est vrai que pour. Mon artilleur qui est proche des munitions à recharger, c'est pas inintéressant, c'est pas déconnant quoi. Ouais. Et on viendra le payer, c'est payé. C'est payé. Grand réservoir de carburant, on va pouvoir faire les cons comme Jaja. 1700 pour en rajouter un, c'est parti. Et le troisième, enfin ça et ça. Comme ça, le petit extincteur en bas, c'est le sway. C'est le sway confirmé. On améliore, c'est parti. Est-ce qu'on améliore encore? On améliore encore. Ah là là, c'est trop lourd, c'est ça? Au-dessus de sa limite de poids. Non, sérieux? Ah ouais, mais ça pèse tellement lourd ces conneries. Incroyable. Bon, ça la placerait pas de grand chose. Ça la placerait effectivement au-dessus de sa limite de poids. Paf. Et bah non, paf, comme ça. Voilà. Bon, même si ça fait quand même beaucoup de sauts au même endroit, je pense qu'on partira plus sur un truc comme ça. J'aimerais avoir potentiellement de quoi faire sauter tout mon équipage. J'apprécierais. J'apprécierais. Ce serait pas déconnant. Fuselage blindé MK3, fuselage léger MK2. Non. Il y a deux qui sont en fuselage léger MK2. Déjà bien. Voilà, on pourrait tellement pas. Putain, tout pèse une tonne, hein, c'est incroyable. Hein. Et même le pigeon. Non, heureusement, le pigeon, ils ont pas poussé le délire jusque-là. Écoute, il pèse rien. Ça aurait été ridicule. Ça aurait été pitoyable. Très bien. On est pas mal. Et il nous reste des sous en plus. Il nous reste des sous. D'ailleurs, vu qu'il nous reste des sous, on peut peut-être changer les moteurs. En fait, j'y pense. Moteur. Ouais, K4 machin, hein. Bien sûr. K4, ah non, trop cher après. Okay. Ouais, trop cher. Donc, qu'est-ce qu'on peut du coup ajouter, modifier, slash tout ça, tout ça. Matos, je crois qu'on peut pas payer. C'est 1700.
C'est 1007. Ok. On ne peut plus payer. On ne peut plus payer. On est complètement fauché. Ouais, on va se prendre ça, tiens, le petit à 1000 balles là. Tiens, allez. Ça me fait plaisir, ça fait... c'est du fric que je claque, ça me fait plaisir. Vraiment, ça me fait plaisir. Vous insistez, moi, j'insiste aussi, ça me fait plaisir. Voilà. Donc voilà, maintenant c'est la vraie mission, hein, c'est celle qui déconne pas, c'est l'opération châtiment. Mais ce sera pour le prochain épisode, je vous remercie, c'était Knarfank sur Comme d'habitude Gaming pour Bunker Crew et Bomber Crew et je vous dis à la prochaine, ciao.